Salut à tous, ceci est un Unbox Express un petit peu magique, vous allez voir pourquoi. Je pense savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur de ce paquet, mais je vais quand même avoir la surprise et la partager avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 7 septembre et c'est aujourd'hui la sortie de... C'est bien ça, Spider-Man sur PS4. Voici un magnifique press kit d'un jeu que j'ai déjà en fait eu la chance de tester. Donc voilà, c'est très beau. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit press kit. Édition limitée, 665/1250. Ah, j'ai pas trop envie de l'ouvrir, mais je vais quand même l'ouvrir. C'est un dossier de presse basé sur les images du jeu et sous forme de BD. C'est vraiment magnifique, quoi. J'ai pas envie de l'abîmer en fait. Voilà, où on détaille notamment la fameuse PS4 Pro Collector, édition Spider-Man. Deuxième chose, il y a plusieurs choses intéressantes. Un patch à coudre sur des vêtements ou à coller peut-être. La carte de presse de Peter Parker, c'est canon. Oh, c'est lourd. Un gros badge métallique qui est très lourd, de Spider-Man. Le guide du métro de New York, très classe, avec le code de téléchargement bien sûr que je vais masquer. Des dessins, voilà ce que dessine Peter Parker quand il s'ennuie. Les dessins de Spider-Man. Il cherche son logo, bah oui, on le comprend. Génial. Et il réfléchit même à ce qu'il pourrait imaginer comme gadget pour son costume. J'aime bien ce système-là. Des photos, Mary Jane, j'imagine. New York avec l'Empire State Building. Ses parents ou son oncle et sa tante, je sais pas. Ça doit être avec sa tante, Peter Parker avec sa tante. Attendez, c'est pas tout, il y a encore d'autres trucs. Une édition spéciale liée à ce jeu. Oh, c'est magnifique, quoi. Il y a même Fisk. C'est le même Fisk qu'il y a dans Daredevil. Un plan de New York qui nous donne quand même quelques infos sympathiques. Je sais pas ce qu'il faut faire. Un plan de Manhattan, plus exactement. Cet endroit qui est au centre de Manhattan. On va aller voir ce qu'il se cache à cet endroit. Puis c'est pas tout. Attendez, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Genre de photogravure lié au jeu, c'est magnifique. Ce press kit est sublime, merci Sony PlayStation France. J'ai très envie de continuer parce que j'ai commencé à explorer ce jeu, Spider-Man sur PS4 qui sort donc aujourd'hui. Si vous aimez les open world, si vous aimez la licence Spider-Man mais aussi Marvel, surtout ne vous privez pas, foncez. C'est un jeu qui est génial.